Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de Solus de Final Fantasy VIII dans laquelle on va s'attaquer à la quête annexe de Koyoka, le petit extraterrestre du jeu. Vous pouvez commencer cette quête assez rapidement mais sachez que vous ne pourrez la finir qu'après avoir récupéré l'hydre au CD3. Si vous voulez la réaliser d'un seul trait, il vous faudra 5 élixirs et pour que ce soit plus facile, la compétence No Combat de Nosferatu. Si vous n'avez pas cette GeForce, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à son sujet. Passons maintenant aux choses sérieuses. Avant de rencontrer réellement Koyoka, vous allez devoir passer par 5 étapes. Tout d'abord, le voir passer avec sa soucoupe volante à 4 endroits différents, puis trouver sa soucoupe et la détruire. Ce n'est qu'après que vous pourrez faire la rencontre tant attendue. L'un des 4 endroits où apparaît le petit extraterrestre est la plage à l'est de Timber. En vous équipant de la capacité No Combat, vous ne pourrez rencontrer que lui et il en sera de même pour toutes les autres rencontres. Le second endroit que nous allons voir est le cap Winil à proximité de la ville du même nom. Là encore, vous ne ferez qu'assister au passage de la soucoupe volante. Troisième endroit, accessible comme les deux précédents dès l'obtention de la BGU volante, il s'agit du désert Kashkabald, le désert des Pampas. Quatrième et dernier endroit avant d'aller enfin casser la soucoupe volante, la petite île à côté de la longue langue de sable de la crête 10, vous la trouverez à l'est de la fac de Trabia. À partir de maintenant, votre objectif se trouve à l'est, dans la zone de la forêt de Grand Didi. L'endroit précis est le lopin de terre surplombant la forêt au nord de la forêt de Chocobo. Ici, vous aurez droit à un combat contre la soucoupe volante. En la détruisant, vous remporterez un Shadow, un objet qui permet à une GeForce d'apprendre la capacité Esquive A. Vous voilà à présent à la dernière étape de la quête. Reprenez votre vaisseau et partez à l'ancien emplacement de la BGU près de Balamb. En tournant autour, vous finirez par déclencher un combat vous opposant à Koyoka. Pour remporter sa carte, il vous faudra lui donner 5 élixirs. Sachez qu'il est aussi possible de dévorer le petit extraterrestre ou de le tuer. La première option vous fera gagner un point en vitesse, la seconde un speedy qui permet d'apprendre auto-booster à une GeForce. Néanmoins, dans les deux cas, vous ne pourrez pas avoir la carte Koyoka qui est unique. C'est donc la méthode des élixirs que je vous conseille d'utiliser. Je vous laisse maintenant ici et vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la Solus. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à la partager
et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner.